Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie d'un futur presque parfait. On va manger chez Sofia et on va ressouffler. Oh, on a oublié la bougie de Kessim. Tu sais, elle est où? On est obligé de la voir, on peut pas faire un anniversaire sans bougie. Je peux pas aller monter sur des allumettes. Je viens de monter, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai oublié mon téléphone en haut. Du coup, je disais... On va faire la deuxième partie d'un dîner presque parfait. Et comme je disais, du coup, on va ressouffler une bougie pour Kessim. Parce que comme vous le savez, c'est le confinement. On a fait un petit anniversaire pour lui. Sauf que ben forcément, il n'y avait pas beaucoup de monde. Enfin, il y avait personne. Quoi. Il y avait moi, ma mère, mon beau-père. Et à la base, il devait avoir que moi, ma soeur et mes enfants. Quoi. Mais c'est juste que voilà. Et un cadeau. Ouais, tu vas encore avoir des cadeaux. Donc, voili voilou, là j'attends ma soeur, elle est montée chercher la bougie du coup, parce que comme je suis tête en l'air, bien sûr, je l'ai oublié, puis là je viens de voir qu'il y a un moucheron dans ma voiture, ou je sais pas c'est quoi. Je pense qu'elle va bientôt tomber, vu mon haleine de chacal. Je crève la dalle, en fait je crève pas trop la dalle, c'est plutôt j'ai trop faim, trop soif. J'ai trop soif, surtout que je viens de monter chercher mon téléphone que j'avais oublié, donc voilà. On se retrouve pour la suite. On doit manger normalement dans 20 minutes. Donc il faut que je me grouille les seuls. J'ai pas en main gros, je suis pas facile. Tu cherches tranquillité gros, c'est pas ici. Tu viens trop squatter les bancs indécis. Faire tourner des rumeurs comme des imbéciles. Pourquoi tu m'évites? T'as fait l'erreur, donc ne recommence pas. Je fais des rêves, je veux dire où ça fait mal. Je suis téméraire, je reviens pas en arrière. La question. Du coup, purée, la lumière, no way. Ça sent toujours la même odeur depuis que mon père habitait là. Il habitait là ? Ouais, exactement dans cette cage. Du coup, on vient d'arriver, bien sûr, on est en retard comme d'habitude. L'heure est passée. On va faire encore une fois son anniversaire ? Mais fais une belle tête. Ah. On refait l'anniversaire. Voilà. Ça sent trop bon. Ah bon ? Hello. Ça sent bon, hein. Ça sent l'odeur qui sort du four. Happy. J'en ai l'eau à la bouche. Non mais ça, ça me donne trop envie. Ça, ça a l'air trop bon ça. Et pour, il y a même la table pour les enfants. Et t'as oublié l'assiette de Lia. Lia, elle est là quand même. Oh, bah voilà. Alors là. Ça mérite le dessert. Nous, on commence à manger ni une ni deux. Non, mais moi, je le fais moi, t'inquiète pas. Dans les briques. Dans les briques viande hachée, il y a des poivrons verts, des poivrons rouges, oignons et de l'assaisonnement. Ça, c'est succulent. Alors, ça, c'est des petits hamburgers que j'ai fait main. Donc, même la pâte est fait main. Maison. Et fait main. Ah, maison. bah voilà. Par contre, Marjorie, t'as vraiment cru qu'on allait boire du Lubin? Moi j'aime trop. Alors ça c'est le pain turc. Dedans il y a viande hachée, poivron aussi et des autres assaisonnements. Bon, la salade, on a quand même une goûter parce qu'elle est bien faite. Mais on n'est pas du tout salade. Ma chérie, chez Elodie ça a donné quoi la salade? On l'a même pas goûté. Voilà. Vous auriez dû prendre des notes de notre précédente vidéo. Elle m'a marqué beaucoup de points. Elle nous donne des trucs pour la maison. Quelle âme charitable. Non mais blinde pas par contre, parce que sinon ça va pourrir dans le frigo. C'était bon. C'était bon. Et là il y a le dessert qui arrive. Alors du coup pour l'animation des enfants c'est pâte à modeler où ils jouent dans la chambre, c'est comme ils veulent. Et pour nous c'est karaoké, blind test et qui a oublié les paroles. Ok, pas mal. Franchement là. Voilà. J'espère qu'on est le dit qui nous a levé du canapé. Ouais, j'espère qu'on ne se fera pas lever le cul du canapé. Hein. Alors, donc là, on prend le dessert ici. Et pour le gâteau de Kessim, et le champomis sera dans, sur le canapé. Ok. Là, le dessert. Oh putain, la casse. Et le verre en cassé. Non, en vrai. Tu prends le téléphone, Josephine. Non, mais je sais que j'ai ravagé ça. Pams, pams. Pams du tout. Donc on va passer à l'animation. Parce qu'on va faire un petit gâteau pour Kessim. Ouais, plus tard, parce que là on est collé, on a un peu plus. On a un peu plus. Bien sûr, j'ai pensé à tout parce que j'ai acheté le gâteau. Qu'on ne va pas manger d'ailleurs. Mais il y a des bougies dessus.
Ouais. Et le shampoing. Ouais, le shampoing. On ne dit pas non, le shampoing. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que la garde d'enfants est vraiment impeccable. Donc voilà, nous on attend. Bien sûr, on débarrasse rien. Bien sûr. Je vous laisse la télécommande. Vous pouvez choisir le programme en animation. Bien sûr. Allez, on commence l'animation par le Carax. Tu veux chanter quoi, Léo? Deviens vers moi. Il faut qu'elle passe devant le jour de The Voice. Elle peut même les cœurs. Faut que tu dises bourgeonne. Non, c'est Chirane. Allô, déjà c'est quoi les vibes? Je peux pas donner un peu de lumière. Ne viens pas, je te le connais. J'ai voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Elle a précisé qu'elle en revient plus avec sa rire, hein. Mais parce que je les aime trop. En fait, j'écoute que des musiques. Le bleu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts. Oh, tu gâches ta vie, pourquoi? Tu gâches ta vie, danse, danse, danse. Elle me dit pourquoi? Tu gâches ta vie, pourquoi? Tu gâches ta vie, elle me dit danse plus. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Non, c'est le blind test. Et bah oui! Je vous fais un instinct, moi je ne suis qu'un homme. Le get get, le get. Anniversaire, Kessim. Joyeux anniversaire. Le shampoo, le ouais. Shampoo. Waouh. Et il y a Regardez. Du coup, on y va, on rentre chez nous. Là, on s'est cassé le ventre. On se tire. Mon amour. Bisous, merci pour les 4 cadeaux. Pour le gâteau. Regarde, il se fait incarner. Très super bien accueillie. Ouais, franchement, vraiment, avec le sourire. Donc, de toute façon, vous avez les. Elles nous ont attendu devant la porte. Sourire. Sourire la banane jusqu'à là. Donc. Le bonjour. Bonjour, le coco. Le serrage de chaussures et tout. Le tout. Ensuite, le repas. Repas. On arrive direct, entrée, ouais. Direct le service. Ouais. Tout sur la table. Elle nous a limite enlevé les chaises et qu'on puisse s'asseoir. On a été agréablement satisfaits par le repas. Satisfaites par le repas, par les hamburgers. Le dessert. Ah, moi, les hamburgers, c'était mon truc préféré. Ah ouais? Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai tout aimé. Les enfants, ce qui allait trop bien, c'est que Lia avait sa propre chaise. Donc, c'est-à-dire, on pouvait manger tranquillement. Les enfants, ils avaient leur petite table avec leurs petites assiettes. Vu qu'elle a une fille. Ouais. Vu qu'elle a une fille, bah, elle était Kessim, donc les morts. Kessim et Mimi sont comme ça. Donc, depuis Mino, depuis bébé. Ensuite, vient le moment de l'activité. L'activité, ouais, c'était trop bien. À l'activité, j'ai trop aimé, on a rigolé. Ma chérie, t'es comme ça. Eh ben, tu veux pas que je fasse comme ça, je suis horrible. Donc, on a trop rigolé pour l'activité. Karaoké, blind test. Trop marrant. On s'est amusé, on a rigolé, on a dansé, on a chanté. Je m'attendais pas à ça, parce que c'était une surprise. Ouais, on savait pas c'était quoi. On savait pas c'était quoi, donc on. Et cette fois-ci, Elodie, on n'a pas trouvé l'activité. C'est eux qui ont cherché eux-mêmes. Mm-hmm. Ensuite, bien le moment. Le dessert. Ah, on a vu le dessert. Tiramisu. Je m'en mangeais les doigts. Tiramisu, c'était trop bon. Et le petit cupcake, c'était un genre de. Ouais, j'ai pas goûté parce que j'avais pas la force. Elle nous a dit que c'était la recette de Camilla. Ouais. Donc c'est Camilla, si tu passes par là, j'aurais beaucoup Camilla. Bref, et puis du coup,
Le, après, il y a eu le gâteau d'anniversaire. On n'a pas mangé parce que... On n'avait plus du tout faim. Kessim, il a eu des cadeaux. Faut savoir que l'anniversaire à Kessim, on l'a fait ben, le jour J. Grave. Non. Non, deux fois. Parce que ben, c'est le confinement. Donc, on peut... enfin, personne n'était là avec ma mère. Et ben, là, elle avait envie de lui faire souffler sa bougie. On a juste fait histoire d'eux pour la bougie et puis donner les cadeaux. Ouais, du coup, ben, comme pour pas faire jaloux, elle a acheté des cadeaux à tout le monde, à Lia, Kessim et à Mimi. Donc, du coup, voilà, on passe aux notes? Ouais. Ok, ben, on se met les deux pour les notes ou? Donc, pour la note de la décoration. Ah oui, décoration, on a oublié de parler, c'était tout bien posé et tout. Ouais, c'était bien posé, mais c'était comme chez Elodie, c'était pas, il y avait pas un truc qui faisait waouh. Ah, si. Les verres à shampoo. Ouais. Les verres à shampoo. J'avais pas pensé à ça, merci de me l'avoir. La déco, ouais, nickel. Ouais, c'était pas mal. Bah, vous aurez pu rajouter les petites fleurs. Ouais, genre, les voilà. Paillettes. C'était pas en fait approfondi, c'est parce que. Pour la note de la décoration. Toi, tu mets la note combien? Moi, je mettrais un petit 7,5. Moi, 7. Okay. 7,5 et 7 pour moi parce que. Elle était simple, quoi, la décoration. Bref, juste les verres à shampoing, on fait le... Le tout. Le tout. Ensuite, la bouffe. Moi, je mets 10 sur 10 parce que je me suis pété le ventre au point de ne plus pouvoir manger. En fait, le truc, c'est que vous croyez pas qu'on est hypocrite, c'est même pas ça. Moi aussi, je mets 10 sur 10 parce qu'on a tout aimé sur la table, donc on va pas baisser la note pour rien. Enfin, je vois pas l'intérêt, donc on met aussi 10 sur 10. Pour ça, à part le lait, on n'a pas compris, le lait fermenté, mais... le lait. Chacun fait comme il veut. Ensuite, pour l'animation. Pour la note de l'animation. Ah, moi, je mets... Moi, je mets 9,5. 9. Moi, je mets 9. Moi, je mets... J'ai pas envie de mettre 10, parce que, vas-y, c'est... Moi, je mets 9. Ouais, 9. Ouais, moi aussi, je mets 9, alors. Je mets 9 pour l'animation. 9 sur 10. J'ai éclaté, on a trop rigolé. Et on a grave kiffé, ouais. Donc on va calculer la moyenne du coup. Bon, donc ça fait une note de 8,75 sur 10. Donc c'est grave une bonne note, hein. Donc réinvite-nous quand tu veux. Quand tu veux. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Ouais, on espère qu'elle vous aura plu. Et bon, après, on sait pas si on va en refaire. Bah, peut-être chez la Pollux. Ouais, ça nous redit, mais c'est qu'elle nous a pas redit, on va même plus dire. Couteau. Ok, bon, voilà. Bah, du coup, voilà, on fait de gros bisous. Là, on vous explique, on est chaos technique, il est 1h du matin, on a un peu plus, on est fatigué, on a mis les minots au lit, on a un peu plus. Donc, voilà. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.